Ça en fait des baies, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh, ne t'approche pas. Allez. Mais je peux passer. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal, l'une des zones interdites. Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Mais il faut que je trouve une sortie. Quelque chose là-bas. C'est quoi? Cadavre, il y a quelque chose qui brille par là.
Un appareil aussi petit? Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Mais comment ça s'ouvre? Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. Encore des lumières. Ça a changé de couleur. Qu'est-ce que c'est? Il a un appareil. Comme celui que j'ai... Tu crois que c'est ce que je voulais? Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou! Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Fais mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a retrouvé. Rust m'a retrouvé. Je suis là. J'arrive. J'arrive. Louis, sois là tout de même. Allez, viens. Attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, à l'œil. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non! Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie.
Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon. Comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères. Mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mer. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là. Ne te montre pas. Les bébés? Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas, si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien, et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi, et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. C'est le dernier. Continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. Paria,
et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Là, tu les vois ? Ce sont des galopeurs. Ah ! Ouh ! Pourquoi tu les fais fuir ? Ah ! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée, tu verras. Je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça suffira. Suis-moi. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si ? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir ? Mais comment ? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers moi. Bien, y a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprête à faire des flèches. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Formeront la tige des flèches, et les éclats de métal, la pointe. Bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Aloy, ils t'ont entendu. Fais moins de bruit cette fois. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Là. Reste accroupi dans l'herbe, et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur, s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits.
Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bonbonne sur son dos, c'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil, il me l'a montré. Ce jouet? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son œil ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prête à dégager s'il se met à charger. Oui, continue! Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite! Déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Faut pas qu'elle me repère. Il faut que je voie leur trajectoire.
J'y suis presque. Le voilà. Hé, allez. Hein? Hein? Mais comment? Chut. Suis-moi, te lève pas. Ce n'est pas un jouet. Attendez, que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop ! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour ! Au cœur de la mer. Et toi ? Tiens. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, la sans-mère. Ah, tu saignes? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information.
Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors? Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter comment la vie. Comment? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça. Quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors? Allez, dépêche-toi!